In the Democratic Republic of Congo, women make up less than 5% of the judiciary. In 2012, the DRC High Judicial Council committed to having at least 30% of prosecutor and judge positions held by women by 2014. To date, the High Judicial Council has already achieved a 21% increase in the number of women promoted to senior positions. Among newly appointed women is Judge Marie Kitete Losamba. She is the new president of the Boma Commercial Court in Ba Congo Province. En ce qui concerne ProJustice, d'ailleurs, que nous devons beaucoup remercier, nous pouvons dire que l'apport a été capital. L'appui de ProJustice a été capital dans ce sens que ça remonte quand même de plusieurs années les aspirations que les femmes magistrates avaient. Déjà en 2010, on avait eu à faire un mémorandum que l'on avait adressé au premier président de la Cour suprême de justice, au procureur général de la République et à bien d'autres autorités pour leur faire remarquer que la carrière des femmes magistrates connaissait quand même plusieurs handicaps. On avait une promotion lente, presque inexistante, que les femmes n'occupaient pas des postes de décision. On avait même demandé à ceux qu'avec les nouvelles hautes cours, que l'on puisse retrouver également 30% des femmes au minimum. Et les femmes n'étaient pas affectées aux postes de décision. Mais malheureusement, le plaidoyer n'avait pas abouti. Je dirais même qu'il n'avait pas marché. C'est vrai qu'on a eu à faire un diagnostic de la situation et on a constaté qu'il y avait quand même une certaine faille, plusieurs failles d'ailleurs, dans le processus qu'on avait eu à mener. Et lorsque on a eu l'appui de ProJustice, nous avons pu, grâce à ProJustice, améliorer quand même tous ces obstacles, toutes ces failles que l'on avait pu rencontrer dans le processus qu'on avait mené avant. On a pu organiser des ateliers, on a pu sensibiliser le Conseil supérieur de la magistrature et grâce à ProJustice, cette fois-là, on a été écoutés. Alors, en ce qui concerne la situation de la femme magistrate, c'est vrai que nous n'avons pas encore atteint l'idéal que nous recherchons, mais nous estimons que c'est déjà un processus qui est engagé et nous allons le soutenir pour qu'il puisse aboutir. Pour l'instant, nous avons plus ou moins 3750 magistrats, dont 660 femmes. Et la majorité des femmes sont venues avec les promotions de 2010 et 2011. Avant, on était plus ou moins 170. C'est vrai, le grand problème que nous avons, c'est aussi en termes de nombre. L'effectif des femmes magistrates est assez réduit. Et pour cela, nous avons déjà commencé à faire de la sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des universités, afin que les filles, pour sortir de l'université, et même au sortir des humanités, qu'elles optent pour la faculté de droit, donc qu'elles viennent nous rejoindre dans la magistrature, cela va créer quand même un certain équilibre, ce qui est d'ailleurs indiqué, qu'il y ait un certain équilibre. Ça permettrait de rencontrer cette égalité qui est recherchée dans la Constitution, la parité que l'on recherche. On ne peut pas parler de parité aussi longtemps que nous nous retrouvons un effectif fortement réduit par rapport aux hommes. Et nous souhaitons, c'est vraiment un souhait pour nous de pouvoir continuer à collaborer avec ProJustice. Nous avons débuté un processus et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons déjà les premières retombées qui sont positives. Alors on aimerait bien continuer de façon à atteindre plus ou moins l'idéal que l'on recherche. Nous avons trouvé des animateurs au sein de ProJustice qui étaient très engagés, qui nous ont accompagnés, qui ont eu également à nous soutenir dans les positions que l'on avait parfois. Et grâce à eux, les positions pouvaient être comprises par
les magistrats, les structures que l'on retrouve dans la magistrature. Nous avons pu également avoir dans nos séminaires les différents syndicats de la magistrature et on a pu leur faire voir par des thèmes que les femmes magistrates avaient également besoin du soutien des syndicats parce que la carrière des magistrats, c'est pas seulement pour les magistrats hommes, mais également pour les magistrats femmes.